Bismillah, alhamdulillah, salat salam rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shahli sadri, wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abdillah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alors j'ai mis mon portable sur une vidéo, je vais vous faire écouter quelque chose. Écoutez bien, tendez bien l'oreille. Écoutez bien. Amis, qu'est-ce que vous avez remarqué? Riwaya différente. Ok. C'est quelle riwaya celle-là? Vous la connaissez, non? Malish. Hein? Là, Mouchid Douri. Khalaf an Hamza. Khalaf an Hamza, barakallahu fik. Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu? Comment il dit Sirat al-Mustaqim? Il dit Zurada. Ghayri al-Maghdoubi alayhum. Ghayri al-Maghdoubi alayhum. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Comment ça se fait qu'il lit comme ça? Et quand Cheikh Ibrahim il a lu, il n'a pas lu comme ça. Cheikh Ibrahim, quand il a lu, il a dit As-sirat al-mustaqim. Il a dit Ghayri al-Maghdoubi alayhim. Il n'a pas lu Ghayri al-Maghdoubi alayhum. D'où ça vient? Al-Riwaya. Al-Riwaya. C'est bon? Ok. Le frère, il dit Riwaya. Qu'est-ce que ça veut dire, Riwaya? Je vous pose des questions, parce que peut-être qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes, ou peut-être des fois on pense savoir, mais on ne sait pas. Le but, Ayuhel Ikhwa, c'est d'apprendre. Et les questions-réponses permettent de mieux ancrer la réponse dans notre tête. C'est tout. Ok? Alors, la différence vient de le frère, il dit Riwaya. Qu'est-ce que ça veut dire, Riwaya? Parlez, levez la main. Oui, vas-y, frère. C'est une version. Une version de quoi? De la lecture du Coran. Explique-moi. Imagine, je suis novice. Je viens de dire la ilaha illallah. J'ai entendu l'imam. Et après, je suis allé sur Internet. J'ai écouté le Cheikh Rachid Sofi, que je vous fais écouter. C'est un Somalien qui a appris le Coran, d'abord son père. Et maintenant, il est au Qatar, chez Cheikh Rachid Sofi. C'est sa lecture-là. Je vous ai évité exprès une autre lecture parce que ça perturbe d'autres lectures. Si je vous fais écouter d'autres lectures, les gens seront perturbés. Mais on va y aller doucement. Alors, c'est une version. Explique-moi. Le Coran, il a été révélé selon différentes lectures qui se basent sur les dialectes arabes de l'époque. Par exemple, la lecture de Nafir, elle se base sur le dialecte des Médinois. Barakallahu fik, Zid. Mashallah alik. Barakallahu fik. Merci, frère. En fait, Jibril, il vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais introduire ça, et après on va faire ce qu'on va voir aujourd'hui. Jibril vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, « Inna allaha yuqri'uka salam. Inna allaha yuqri'uka salam. Wa ya'muruka an tuqri'a ummataka ala harf al-Qur'an ala harfin wahid. » Allah, il te passe le salam.
il te demande de lire le Coran sur ta communauté. Sur enfin, harf wahid veut dire une seule lecture. Sur une seule lecture. Sur une seule lettre. Mais que veut dire ici une seule lecture ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il baisse la tête devant Jibril. Et il dit, As'alullah maghfiratah wa rahmatah. Je demande à Allah son pardon et sa miséricorde. Mais ummati la tatqou dhalik. Ma communauté, elle ne peut pas faire ça. Et Jibril, il repart. Et il revient. Il dit, Inna Allah yuqri'uka as-salam. Wa ya'muruka an tuqri'a ummataka 'ala harfayn. Allah, il te passe le salam. Et il te demande de lire le Coran à ta communauté sur deux lectures. Et le prophète, comme la première fois, il baisse la tête et il dit As'alullah maghfiratahu wa rahmatahu. Je demande à Allah son pardon et sa miséricorde. Mais ma communauté, elle ne peut pas faire ça. Et Jibril, il revient encore une fois. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire ça combien de fois ? 7 fois. Jusqu'à ce que Jibril, il vienne et qu'il lui dise « Inna Allah yuqri'uka as-salam wa ya'muruka an tuqri'a ummataka ala sab'ati ahruf » Allah subhanahu wa ta'ala, il te passe le salam et il te demande de lire le Coran à ta communauté sur 7 lectures. Qu'est-ce que ça veut dire 7 lectures ? À l'époque, les Arabes qui étaient à la Mecque, Ahlul Quraysh, et sur lesquels est descendu le Coran, et on va voir que ça a un impact important tout à l'heure, le fait que le Coran descende sur Quraysh, ne parlaient pas tous la même langue. Ils parlaient l'arabe, bien sûr, mais il y a des mots ou des textes ou des façons de prononcer qui étaient différentes. Selon que vous soyez dans le nord de Najd, ou dans le sud vers le Yémen, ou que vous soyez à la Mecque, ou que vous soyez à Médine, par exemple, la différenciation, par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, un jour, il prend quelqu'un à lui apprendre le Coran. Abdullah ibn Mas'ud, il apprend au jeune. Et il dit, récite. Et le jeune, il lui dit, Taha. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Taha. Et l'autre, il lui dit, Taha. Il dit, Taha. Vous voyez la différence ? L'un, il va vers le haut, et l'autre, il va vers le bas. En fait, la prononciation est différente, effectivement. Mais au début, même il y avait des termes qui étaient différents. Les termes, au début de la révélation du Coran, il y avait même des termes qui étaient différents. Par exemple, fait surat Yassin. Fait surat Yassin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « In kanat illa sayhatan wahidatan ». Certains Arabes ne connaissaient pas le mot « sayha ». Ils connaissaient le mot « ziqya ». Et nous, on le dit en arabe, on dit Zikia. Zikia, c'est quoi ? C'est un cri, Saïha. Mais le mot Saïha, ils n'avaient jamais entendu parler. Donc eux, ils ne disaient pas Inkanat illa Saïhatan wahidatan. Ils disaient Inkanat illa Zikiatan wahidatan. Il y avait une différenciation, même dans l'écriture. Ok. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lire le Coran, vous avez entendu. Zirat al-Mustaqim. Ok. Un jour, Omar ibn Khattab, il voit quelqu'un lire le Coran. Et il dit, « Ghayri al-maghdoubi alayhum wala ad-dallin. » Omar ibn Khattab dit, « Répète. » Il dit, « Ghayri al-maghdoubi alayhum. » Omar ibn Khattab, il ne connaît pas cette version. Il prend sa main. Pourquoi je vous dis ça ? Hada fi tarikhina. Quand vous faites ulum al-Qur'an, c'est les premières choses que vous apprenez. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Les orientalistes, ils prennent ça pour nous dire quoi ? Que le Coran avait plusieurs versions, et donc il y a des intégristes qui ont une version et qui l'ont imposée aux gens. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Et donc vous voyez, moi j'ai entendu un bénédictin, je crois que c'est un bénédictin, je ne me rappelle plus. Bon, c'est dans une conférence, et qui disait à un parterre de gens qui étaient d'une autre religion, qui n'étaient pas musulmans, que vous voyez que le Coran a plusieurs versions, donc on ne peut pas se fier au Coran parce que... Mais qu'est-ce que tu racontes, je lui dis ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les musulmans, ils ont plusieurs versions de lecture. Et alors, il est où le problème ? Il n'y a pas un livre qui a été protégé comme le Coran. Nous avons plusieurs versions de lecture et on n'a aucun problème dans notre communauté. Vous allez dans certains contrées, ils lisent d'une certaine manière. Nous, au Maghreb, on lit d'une certaine manière. Il lise d'une certaine manière, il est où le problème ?
le sens ne change pas. Souvent, le sens ne change pas. Donc au début, il y avait même des mots qui étaient différents. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mots restaient les mêmes, l'écriture restait la même, la prononciation changeait. Par exemple, « Wadduha »,« Wadduhi », »,« Moussé », »,« Moussé ». Vous voyez, les mots restaient les mêmes, l'écriture du mot était la même, mais la différence était dans la prononciation. Et comme a dit le frère, les Arabes avaient plusieurs dialectes. Donc nous, quand on apprend le Coran, on vous dit la qira'at al-ash, c'est-à-dire qu'on apprend les différenciations où il y a des différences dans la lecture. Quand quelqu'un lit le qira'at al-ash, ça ne veut pas dire qu'il refait le Coran. Ce n'est pas ça. Il a appris le Coran d'une certaine lecture et il va apprendre les autres lectures, comment il prononce certains passages ou certains mots dans le Coran. Ça, il faut que le musulman le sache. Alors, j'ai proposé aux frères de faire et de commencer une série de cours à partir d'aujourd'hui en parlant des masadir al-tashri'a fil islam. Qu'est-ce que ça veut dire masadir al-tashri'a fil islam? Masadir al-tashri'a fil islam, c'est les sources de juridiction en islam. Et vous allez voir, si on va loin, si on continue les cours et qu'on va loin, et qu'on va arriver, inshallah, peut-être à certaines normes de usul fiqh, certaines choses de fondement de jurisprudence, et peut-être qu'on va arriver à le maqasid sharia, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu la législation musulmane, vous allez voir que cet islam, il est magnifique. Il est magnifique. Quand on fait qawa'id daf' al-dharar, par exemple, en islam, quand vous faites usul fiqh, il y a des règles qu'on appelle qawa'id daf' al-dharar, c'est-à-dire les règles de repousser le préjudice. Al-dharar ou yuzal. Dès qu'il y a un préjudice, il faut qu'on l'enlève. Qu'est-ce que ça induit, ça? Ça induit que toi, si tu as une maison, et que tu as un arbre, et qu'il y a des branches qui tombent sur la terre, qui tombent sur la rue, eh bien, tu dois les couper. Sinon, c'est la mairie qui va la couper. Ça induit quoi? Ça induit que si un passager, quelqu'un, dans la rue, ça, c'est les musulmans qui l'ont mis en place. Écoutez, les frères, écoutez. Parce que quand on parle de, par exemple, quand on parle du climat, ou là on parle de la nature, ils vous disent, vous les musulmans, vous n'avez rien. Ceux qui disent ça, ils n'ont pas lu Siyasa Sharia fil Islam. Siyasa Sharia fil Islam, c'est quoi? C'est les savants qui écrivaient les règles de gérer la société politiquement. Et qui écrivaient des textes pour montrer aux califes comment gérer la société, comment faire les rues, comment faire des fontaines dans la rue, comment construire des hôpitaux, comment à côté de l'hôpital, à chaque fois qu'il y avait une mosquée, il y avait un hôpital à côté. Comment les musulmans organisaient la cité? Mais tout ça, c'est l'islam, ayyou al-ikhwa. Tout ça, c'est l'islam. Et j'arrête pas de dire que notre islam, il a régné, mais vraiment, la législation musulmane a imprégné le monde. Mais vraiment, a imprégné le monde. Sauf que les musulmans, ils savent pas. Pourquoi? Parce qu'on est revenu en arrière. En fait, on s'est arrêté. On a arrêté l'ijtihad. On a arrêté l'effort d'interprétation. On n'apprend plus. On ne sait plus ce qu'on a comme trésor. Et du coup, on ne comprend plus ce que c'est notre islam. Notre islam, ayyou al-ikhwa, ce n'est pas juste un rituel. C'est une civilisation. Comprenez-le. Ce n'est pas juste un rituel. Tu viens, tu fais la prière et tu rentres à la maison. Et tu vas regarder le foot. Non. Ce n'est pas ça notre islam. Notre islam, c'est une civilisation. Donc, j'ai proposé aujourd'hui, on commence par ce qu'on appelle qu'est-ce que j'ai dit? Barakallahu fik, les sources de juridiction en islam. Alors, je vous pose la question, quelles sont les sources de juridiction en islam? Al-Qur'an ou Al-Sunna. C'est tout? Alors, attendez. Le frère, il a dit Al-Qur'an ou Al-Sunna. Ça veut dire quoi, Al-Qur'an ou Al-Sunna? Ça veut dire que la première source de l'islam, c'est quoi? C'est le Coran. Barakallahu fik. La deuxième source, c'est quoi? Al-Hadith. Sunnatu Rasulillah. Ou Sunna, qu'est-ce qu'elle va faire? Sunna, elle va expliciter le Coran. Sunna, elle va spécifier le Coran. Vous comprenez? Expliciter. Elle va nous expliquer le Coran. Elle va spécifier le Coran. Je vous donne un exemple
Comment la sunna, elle peut spécifier le corps. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il dit « Wa ahalla Allahu al-bay'a » Zed « Wa harrama al-riba » C'est ça ? Ça. Les ulama, ils te disent « Hada nasun mutlaq » Ça veut dire quoi ? C'est un texte absolu. « Ahalla Allahu al-bay'a » C'est un texte absolu. Est-ce que tout le commerce, tout genre de commerce est halal dans l'islam ? Non. Alors, quel genre de commerce n'est pas halal ? La drogue, là. Là, à côté, là. La drogue, c'est haram. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire, bay'a al-khamr ? Bay'u ? Oui, d'accord. Mais al-khamr ou ? Oui, d'accord. Bay'a al-khamr. Ou al-khinzir. Et juz ? Donc, al-khamr ou al-khinzir, c'est quoi ? Le statut juridique. Haram. Donc, bay'u ? Voilà. Bay'u al-haram. En fait, quand vous apprenez d'une manière académique, vous apprenez à dire les choses. Bay' al-khamr, haram, oui. Mais en général, tout ce qui est haram, bay'uhu haram. Al-haramu la yuba'. Zid, il y a que le haram ? Al-khamr, al-khinzir, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a que ça ? Allez-y. Je vous écoute. Wa halla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Nassun mutlaq. Khossissa bi sunna. Sunna, elle va nous expliquer, elle va nous dire qu'il y a des bouillots qui sont interdits. Lesquels ? Comment ? Barakallahu fik. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Bay'u al-majhoul la yajouz. Bay'u al-gharar. Bon, ça c'est une. Ouais, ok. Bay'u al-majhoul, ça veut dire quoi ? J'ai un jardin de cerisier. Ok ? On est au mois de janvier. Et tu viens, tu me dis, je t'achète tes cerises. Or, le cerisier, est-ce qu'il sort au mois de janvier ? Il sort ou pas ? Non, il sort pas. Il sort quand ? Au mois de mai. Est-ce que j'ai le droit de te vendre les cerisiers qui sortent au mois de mai ou au mois de janvier ? J'ai le droit ? Non, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de te vendre une bhira de l'air en janvier alors que de l'air, la pastèque, elle sort en été, en juin ? J'ai le droit ? Non, j'ai pas le droit. Mais ça se fait au bled. Eh bien, là, il y a 12. Vous voyez ? Là, il y a 12. Bon, je sors du texte. Tout à l'heure, juste avant le Maghreb, je reçois un texto. Un frère qui n'était pas d'accord avec sa mère. Écoutez bien. Un père qui décède. Regardez, un père qui décède. Il a deux enfants, il avait trois enfants et un qui est mort avant. Vous me suivez ? Il avait A, B, C, et le B, il est mort avant son père. Il a laissé des enfants. Hada le B, il a laissé des enfants. Hada le père qui est décédé. Les petits-enfants, là, ils héritent du grand-père ou pas ? Hein ? Comment ? Ils héritent de leur père. Et du grand-père ? Indirectement. Ils héritent ou pas ? Indirectement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils héritent de leur part qui devait revenir à leur père ? Ouais, ok. Du moment que le B il est mort avant son père, normalement les enfants ils n'héritent pas. Mais ici, en islam, ça veut dire quoi ? Regardez l'islam, regardez la beauté de l'islam. Et des fois les gens ils comprennent pas, ils me disent ça c'est injuste. Non, c'est pas injuste. C'est Allah subhanahu wa ta'ala fait jamais les choses d'une manière injuste. Le grand-père, il doit laisser un testament pour les enfants. Or, aujourd'hui, c'est les deux pays que je connais. Hein. Je ne sais pas la législation dans les autres pays. Je ne suis pas en Égypte, je ne suis pas en Tunisie. Je connais en Algérie, je connais au Maroc. Au Maroc, ils ont changé la loi. Non, ils sont allés plus loin. Ils ont fait ce qu'on appelle le tenzil. Alors, c'est quoi tenzil ? Et le problème, c'est que quand vous demandez aux légistes là-bas, ils n'arrivent pas à vous expliquer. Alors qu'ils ont fait la loi. Ils n'arrivent pas à vous expliquer. C'est très difficile. Comment ? التنزيل سي التنزيل c'est-à-dire ننزل ما كان يرثه الولد الى ابنيه الى بنيه transfert si tu veux mais descendre voilà c'est ça en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants, les petits-enfants orphelins de leur père, ils vont hériter de leur grand-père de la part restante de ce qu'ils n'ont pas hérité de leur père.
Je vous explique, enfin, je donne un exemple comme ça, vous comprendrez. Imaginez que leur père est mort, et qu'il leur a laissé, par exemple, en héritage 50 000 euros. Mathalène, hein, 50 000 euros. OK, donc ils ont pris ces 50 000 euros. Le grand-père Hada, qui vient de mourir, si son fils était vivant, il lui aurait laissé 80 000 euros. Donc les enfants, ils auraient pris 80 000 euros. Vous me suivez ? D'accord. Or, les enfants, ils ont déjà pris 50 000 euros de leur père. La loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut leur donner une compensation pour qu'ils arrivent à 80 000. Est-ce que vous m'avez suivi ? Ils touchent combien, alors, les enfants ? Merci. Voilà ce que dit la loi. Donc, oui. T'as pas compris ? Ah, le frère, il dit, est-ce qu'il faut suivre Chara ou la loi ? Qu'est-ce qu'il faut suivre ? Qu'est-ce qu'il faut suivre ? Chara, d'accord. Et la loi, Hadim, c'est mon Chara ou la là ? Là ? D'accord. Mais là, vous n'avez pas fait l'Ossoul, alors. Vous n'avez pas fait l'Fiqh, alors. Je n'ai pas fait l'Ossoul, je n'ai pas fait l'Fiqh al-Muqaran, je n'ai pas fait l'Maqasid al-Sharia, et du coup, vous ne connaissez pas. Parce que Chara, Chara, Omar ibn al-Khattab, Hukm al-Sharib al-Khamr, c'est combien ? Quelqu'un qui boit de l'alcool, qui vient sous à la mosquée, là. En islam, qu'est-ce qu'on lui fait ? Combien ? Allez, dites-moi, n'ayez pas peur. Combien ? Non, pas 100 fois. 40 coups de fouet, d'accord. Qui a changé la loi ? Qui ? Allez ! Omar ibn al-Khattab, combien il a changé ? 80. Pourquoi ? Pourquoi il a changé la loi, Omar ibn al-Khattab ? Ah, l'Irtadia, par l'Islamique, c'est bien. Mais pourquoi il a changé la loi ? Parce que les 40, il ne suffisait pas. Parce qu'il donnait 40 coups de fouet, et le gars, la semaine d'après, il venait sous. Donc, Shara, effectivement, il dit 40. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il fait ? Il réunit les compagnons. Sans, pensez-vous qu'on sait mieux que Shara que Omar ? Non, ce n'est pas Shara mieux que Omar. Donc, Omar réunit les compagnons. Il dit, voilà, le gars, il boit de l'alcool, et... Quand on le fouette, il revient la semaine d'après et qu'est-ce qu'il fait ? Il est de nouveau sous. Qu'est-ce qu'on fait ? Chacun de Sahaba lui donne un avis. Et Omar Ali ibn Abi Talib lui donne un avis qui était pertinent. Il lui dit quand quelqu'un il est sous, il peut calomnier, yahdi, c'est-à-dire il va dire n'importe quoi, il perd la raison. Quand il perd la raison, il peut calomnier. Et la calomnie en islam, quand tu dis que celui-là c'est un fornicateur ou celle-là elle est fornicatrice, et que tu n'as pas de preuves, tu n'as pas qu'à témoin, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le fouette celui-là, et qu'est-ce qu'il y a la deuxième chose, c'est quoi ? Non, pas l'anat Allah, non. On ne prend plus son témoignage, barakallahu fik. Ça veut dire que si on fait un mariage et que lui il assiste, le mariage, il est vicié. Il faut refaire le mariage. S'il y a deux témoins, hein, lui il ne peut pas témoigner. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Si on fait un contrat que lui, il vient pour témoigner, il ne témoigne pas, on n'accepte plus son témoignage. Malgré les coups de fouet. Combien il prend ? 80 coups de fouet. Ali ibn Abi Talib lui dit, quand quelqu'un il perd la raison, quand il perd la raison, il peut calomnier. Donc on va lui augmenter, on va lui donner le châtiment de celui qui calomnie. On va lui donner 80 coups de fouet. Et qui a fait ça ? Omar ibn al-Khattab. Ok. Donc on a dit, la première source de législation en islam, c'est quoi ? C'est le Coran. La deuxième source, c'est Sunna. On va voir ce que c'est Sunna. Vous allez voir. Sunna, qu'est-ce que ça veut dire ? Les cinq sens de Sunna. Qu'est-ce qu'elle fait Sunna avec le Coran ? Alors, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Sunna mumkin tansakh le Coran. C'est vrai ou pas ? Est-ce que sunna, est-ce que vous savez ce que ça veut dire nasikh ou mansoukh ? L'abrogé et l'abrogeant. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Qui sait ce que c'est ? Dites-moi. Dites-moi, l'abrogé et l'abrogeant. Vas-y, jeune homme. Mais toi, tu connais. Si tu vas me répondre, tu vas connaître. Vas-y, dis-moi. Par exemple, une chose à un statut. Oui. Son statut, il change. Vas-y. Une chose est halal, ensuite elle devient haram, Ok. Plus, comment dire, je dirais d'une manière plus générale, en fait, donner une définition qui fait comprendre les gens. En fait, nasikh wal mansoukh. Dans le Coran, il y a des ayats qui sont descendus. La règle juridique dedans,
elle est effacée par une autre ayah qui est venue. La ayah n'est pas effacée. Mais la règle juridique dedans, elle est effacée par la nouvelle ayah qui vient. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, nati bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'alam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. » Par exemple, l'ayah « La taqrabu as-salata wa antum sukara » c'est une ayah mansoukha. Ok ?« Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, nisfahu unqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. » هذه الآيات منسوخة. ماش منسوخة؟ باركوا يعلم أنك تقوم أن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. الآيات الأخيرة لدغنيق آيات سورة المزمل الفين إفاسي الحكم الشرعي la règle juridique qui se trouve au début de l'آيات في سورة المزمل. Ok, donc un faqih, écoutez bien, un faqih doit maîtriser la langue arabe. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Doit maîtriser la langue arabe, comprendre le Coran. Dans le Coran, connaître asbab al-nuzul, les circonstances de révélation. Dans le Coran, connaître nasikh wal mansukh, connaître ce qui est abrogé et abrogeant. Quelle est l'ayah qui est abrogée dans la règle juridique a été annulée. Et quelle est l'ayah qui l'a abrogée. Il y a une ayah fi surat al-Baqara. الآية 180 من سورة البقرة قال دي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا زد الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. أوكي. هذه الآية منسوخة par deux choses. منسوخة بالآية 11 من سورة النساء ومنسوخة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا وصية لوارث. La wasiyata li warith. Quelqu'un il vient et te dit, moi je veux écrire pour mon fils. Je lui laisse tant, et à ma fille je lui laisse tant, et à mon autre fille je lui laisse tant. Je vais écrire ça. Tu n'as pas le droit. Le frère il me pose la question comme ça. Je lui dis, l'héritage il est où? France ou en Algérie? Ou bled? Il me dit, non, en Algérie. D'accord, tu peux pas. Si c'était en France, tu peux mettre un testament parce que la loi ne correspond pas à la loi musulmane. Donc tu peux faire un testament. C'est ça l'ijtihad. Mais si tu es dans un pays musulman, tu ne peux pas faire de testament pour quelqu'un qui hérite directement de toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « La wasiyat al-warith ». Tu vas me dire « Il y a une ayah ». Ben l'ayah mansoukha. Et si tu ne sais pas que l'ayah mansoukha, eh ben tu vas faire n'importe quoi. Ça incite quoi? Ça incite à ce qu'on apprenne un petit peu ce que c'est notre shara. Pour apprendre Shara, c'est ce que je vous dis, on va faire une série de cours, Inch'Allah, comme ça, où on va apprendre doucement notre din, Inch'Allah. Et pour qu'on ne puisse pas nous dire tout et n'importe quoi, qu'un frère, il vient et nous dit, voilà, il y a un hadith. Non, ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas venir me dire, regarde, il y a un hadith. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu ne connais pas les circonstances. Je vous donne un exemple. Le hijama. Vous connaissez le hijama? Fé Ramadan, tofter ou lala? Tofter. Tu as le délil, comme dit le frère. On a le délil. Hijama, tofter ou lala? Oh, ok. Nous avons deux hadiths. C'est très simple. Nous avons un hadith de Sahari qui voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer et quelqu'un qui fait le hijama. Et le prophète qui dit Faqad aftara hada al-hajim wa al-muhajjam. Celui qui subit le hijama et celui qui fait le hijama. Ok. Nous avons notre hadith d'Ibn Abbas qui dit que le hijama la tuftir. Quelqu'un est venu lui demander est-ce qu'il peut faire le hijama. Alors vas-y, tu ne seras pas la tuftir. Et les ulama, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que le hadith d'Ibn Abbas il est postérieur au premier hadith. Donc vous avez deux hadiths, mais là il a été dit. Par exemple, à la première année ou la deuxième année à Médine, et l'autre, il a été dit à la huitième année à Médine. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend le dernier. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vient et vous dit, regardez, il y a hadith. Non. Non. Ça, déjà, il faut qu'on apprenne déjà à se poser, et on va apprendre à se poser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui jouent sur l'ikhtilaf. Je vais poser une question. Sahaba, ikhtalafou ou lala?
اختلف الصحابة. Donnez-moi des exemples. Sur quoi, Sahaba, ils ont divergé? Marakat Khaybar, là, chez Marakat Khaybar. Mashi Ben Uqaynuqa ou Mashi Khaybar. Il l'a, Mashi Khaybar ou Mashi Ben Uqaynuqa. Mais tu n'es pas loin. Qui? Ben Uqorayda. Tu connais l'histoire? Qui a parlé? Le frère. Vas-y, dis-moi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Ghazwat al-Khandaq, Ghazwat al-Ahzab. Les Quraysh sont venus en face avec 10 000 personnes. Le prophète, avec, sur le conseil de Salman al-Farisi, il crée un... Il fait un... Les tranchées, voilà. Bon. Et ils tiennent, les compagnons tiennent, parce qu'il y avait un siège sur eux pendant un mois. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un vent qui fait lever... Donc le but, c'est pas d'expliquer Ghazwat al-Khandaq. Je vous explique. Et pourquoi ils sont venus par là? Parce que la Médine, c'est en forme de U comme ça. Et en forme de U, derrière Médine, enfin, il y a des chaînes de montagnes, puis il y a des terrains volcaniques que les chevaux ne peuvent pas traverser. Donc ils sont venus de face, comme ça. Et de face, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tracé des tranchées, a creusé des tranchées. Or, derrière le prophète, il y avait le fort de Banu Qurayza. Et juste à côté, le prophète avait mis quoi? Avait mis dans un fort, il avait mis les femmes et les enfants. Et un des protagonistes, qui était Min Bani Nadir, qui était en face avec Quraishite, Min Bani Nadir, Kabilat Ben Israël, et il est allé voir le chef de Banu Qurayza en leur demandant de rompre le pacte avec Mohammed. Si vous rompez le pacte, on vient comme ça par devant et on vient par derrière, on va le prendre en tenaille et on finit avec lui. Banu Qurayza a rompu le pacte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Banu Qurayza, ils sont loin. Il va apprendre que Banu Qurayza a rompu le pacte, il va envoyer deux émissaires en leur demandant, allez voir si c'est vrai que Banu Qurayza a rompu le pacte. Et si vous revenez, s'ils ont rompu le pacte, vous dites rien. S'ils n'ont pas rompu, vous dites Allahu Akbar, vous l'annoncez. Et quand les émissaires sont revenus, ils disent, ya Rasulallah, ils ont rompu le pacte. Donc on a une brèche derrière. C'est-à-dire que l'ennemi peut rentrer par derrière. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa Allahu al-mu'mina al-qital, surat al-Ahzab, elle est magnifique quand vous l'étudiez. Magnifique dans les enseignements qu'il y a, comment le prophète y gérait et Médine et l'État musulman et sa famille, et comment il gérait ses épouses, comment Allah subhanahu wa ta'ala la ala al-kafirin, comment Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, inna Allah wa malaikatahu comme l'aya, yusalluna ala al-nabi, ya ayyuha al-lazina amanu, alayhi wa sallim wa taslima. Zid ba'dha ushkain, inna al-lazina yu'udhuna Allah wa rasulahu, lu'inu fi al-dunya wa al-akhira. Sma'am liya. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-haut, 7e ciel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui insultent le prophète. Ceux qui insultent le prophète et son prophète, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Il leur a réservé un traitement avilissant le jour du jugement. Qis ala dhalik. Juge les gens qui insultent le prophète. Les gens qui insultent le prophète, laissez-les insulter. Laissez-les insulter. Vous avez vu ce qu'a dit le cheikh tout à l'heure ou pas? Vous avez vu ce qu'il a vu? وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الله سبحانه وتعالى يدي بروفيت نو تافون دوني لي 7 دي دوبلي. C'est quoi les 7 dédoublés? Le Fatiha. C'est une sourate extraordinaire. Si vous la méditez, bien sûr. Si on médite le Fatiha, c'est une sourate extraordinaire. Alors ne tends pas ton œil à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme jouissance éphémère de ce monde. Et on sait que tu leur tiens rigueur, que ça te fait mal ce qu'ils disent et comme ils t'insultent et comme ils disent des choses. Ça te fait mal dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il lui demande Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui demande فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Il lui demande وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Il lui demande de se rapprocher d'Allah et de célébrer la gloire et la transcendance d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu sais que toi, Allah, le plus grand, le créateur, il est avec toi, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire. L'aigle ne chasse pas le rat. Laisse-les dire. خَلِّي. الدُّنْيَا حَبْلُهَا قَصِيرُ. Demain, on va rencontrer Allah. Et demain, on se rencontre tous devant Allah. T'insultes, laisse-les. Allah subhanahu wa ta'ala va s'en occuper. Mais toi,
Rapproche-toi d'Allah et ouvre ton cœur. C'est ce, qui, ça, ce que ça veut dire. C'est pour ça que le Coran est azim. Le Coran, si on le médite. Bon. Alors, Hadith Banu Qurayza, qu'est-ce qu'il dit? Donc le prophète, quand les Ahzab ils partent, le prophète il rentre chez lui, il pose son sabre, Djibril il vient. Il dit, c'est pas fini. Il dit, pourquoi? Il dit, Djibril il dit, Banu Qurayza, il faut les corriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Bilal, salatu jami'a, venez à la mosquée, ils viennent tous à la mosquée. Il dit, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, fala yusallina al-asra illa inda Banu Qurayza. Celui qui croit en Allah et son jugement, il ne doit faire l'asr que chez Banu Qurayza. Que font les compagnons? Il y en a qui font l'asr sur le chemin. Arrive l'heure de l'asr, ils font l'asr. D'autres, ils disent non, 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 non. Le prophète, il a dit chez Banu Qurayza. Ils arrivent alors que le soleil s'est couché. Et le Rasulallah, il ne laissait jamais une prière, le temps passé d'une prière. Jamais, jamais, jamais. Ils arrivent chez le prophète là-bas, ils lui disent, ya Rasulallah, voilà ce qu'on a fait. Une partie a fait la prière sur le chemin, et l'autre, elle a écouté ce que tu as dit, et elle a fait l'asr chez toi, chez Banu Qurayza. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon? Il a fait un sourire. Il a acquiescé tout le monde. Il n'a rien dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Barakallahu fik. Ça veut dire qu'il y a une interprétation du texte, des fois. Et c'est pour ça que nous allons voir les interprétations du texte. Nous allons voir. Uhilla lakum laylatu siyam. Écoutez bien. Arrafathu ila nisaikum. هن لباس لكم أنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فالآن فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Qu'est-ce que vous comprenez de cette aya? Qu'est-ce que vous comprenez de cette aya? Dès que la nuit vient, on peut manger et boire. Dès que la nuit vient, quand? La nuit du Ramadan. On parle du Ramadan ici. Ok. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Quelqu'un connaît Asbab al-Nuzul? Il y en a qui avaient... Mais pourquoi les rapports étaient interdits? En fait, ça, c'est ce qu'on appelle at-tashri'u bit-tadrij. Ça veut dire quoi? Chaque chose, la prière, le jeûne, tout, 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 Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a mis, c'était d'une manière graduelle. Les compagnons, quand ils... D'abord, les compagnons, il y en a qui jeûnaient, il y en a qui ne jeûnaient pas. Ok? Celui qui ne pouvait pas, il nourrissait des pauvres. Jusqu'à ce que l'ayat descende, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Allah subhanahu wa ta'ala, quand il... cette ayat est descendue, le jeûne du Ramadan est devenu obligatoire. Ok? Les gens, ils jeûnaient. Mais ils mangeaient quand? Ils mangeaient à l'heure du Maghreb. Et après le Maghreb, ils ne mangeaient plus. Il y a deux éléments. Le premier événement, c'est un compagnon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit très très fatigué le lendemain. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ya Rasulallah, hier j'ai jeûné toute la journée. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas mangé en fait. J'ai fait mon Maghreb, je suis allé dormir. Et quand je me suis réveillé la nuit, il a fait l'Isha. Et il n'a rien mangé. Donc il est presque en état de jeûne continu. Donc il était très fatigué. Et la deuxième, c'est Omar ibn al-Khattab qui vient pleurer chez le prophète. Il dit, ya Rasulallah, halakt. J'ai eu un rapport avec ma femme hier soir. Allah subhanahu wa ta'ala descend cette ayah. Comme quoi, dans la nuit du siyam, vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que apparaisse. C'est quoi le fil blanc du fil noir? C'est pas deux fils comme ça. Hein? C'est le fajr. Ok. Mais il y a un compagnon qui a mis deux fils. Le Rasulallah a dit, « Nakasari al-Qafa, tu es un peu... Hein? » Il dit, « Non, mais c'est pas ça. Le fil blanc du fil noir, c'est la lumière blanche qui commence à apparaître à l'horizon. » Bon, ça aussi, c'est un débat. Donc, vous comprenez qu'il faut... Ça, c'est la première compréhension de l'aïa. Est-ce que vous comprenez de l'aïa que vous pouvez... La personne peut avoir des rapports avec sa femme, être en état de janaba, se lever le matin après le fajr, c'est-à-dire pas après le fajr est rentré. Quelle heure est le fajr? 5h23, combien? Quelle heure est le fajr? 5h05 vous faites? 5h20? 5h05 vous êtes à 15 degrés. Hein? Bon. 5h05 vous êtes à 15 degrés.
Vous êtes à 15 degrés. 5h15. Hein? À 15 degrés, c'est pas l'heure. Hein. En fait, c'est 5h05 pour l'Aden. Ah, d'accord. Okay. Plus 20 pour les rames. D'accord, ok. Donc 25. Ok. Okay. C'est à 16, 16,5 normalement. 15 degrés, c'est trop tôt. Ok, 25, vous êtes dans l'heure. Ok. 5h25. Imaginez quelqu'un qui se lève à 5h30 et qu'il est en état de janaba. Est-ce que son jeûne est valable ou pas? Son jeûne est valable. Comment vous le savez? Tu as dit oui. C'est vrai, tu as raison. Comment tu le sais? Par rapport à la prière. Quelle prière? Non, frère, délil. Quelqu'un s'est levé le matin en état de janaba. L'heure n'est pas passée, 5h30. L'heure de l'Fajr n'est pas passée. On est bien d'accord. L'heure de l'Fajr, il passe quand? Quand est-ce qu'il est fini? Chourouk, barakallahu fik. Donc si tu te lèves à 5h30, bon, tu as raté le jama'a avec la mosquée, ma'alish, tu as raté le jama'a, mais est-ce que ton jeûne est valable ou pas? Oui, d'accord, délil. C'est quoi délil? L'aya, laquelle? Celle que j'ai citée? Comment tu sais? C'est le savant qui sait. Dans l'aya, c'est Amin. Ah, mashallah. Dans l'aya, il y a ce qu'on appelle Isharatun Nasi. Donc dans l'aya, il y a une indication que les savants sortent de l'aya en disant, du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous pouvez boire, manger, avoir des rapports la nuit de siyam, il est fort possible que tu te lèves le matin, tu ne t'es pas lavé, et que tu te lèves après le fajr, donc c'est amuka sahih. Et que tu t'y lèves en état de janaba, c'est amuka sahih. Comment on appelle ça? On appelle ça l'indication du texte. Et où est-ce qu'on fait ça? On fait ça fait au sur le fiqh, dans les fondements de jurisprudence, quand on fait une recherche linguistique sur les textes du Coran. Ok. Oui. Ah ben c'est celle-là. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait dit vous pouvez boire et manger jusqu'à l'fajr. C'est ça, jusqu'à l'fajr. Donc jusqu'à l'fajr, tu peux boire et manger, avoir un rapport. Donc tu peux te lever après le fajr en état de janaba. Et ça, toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas, nous, on ne le voit pas. Donc il faut un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Il y a quelque chose dans le nas, dans le texte, qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Ça veut dire quoi, mafhoum al-mukhalafa? Le sens contraire. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Bon, avant d'aller mafhoum al-mukhalafa, on va expliquer autre chose. Donc on a dit, la première chose, la première source de juridiction pour l'islam, c'est quoi? C'est le Coran. Ensuite, la sunna. Oui, le hadith, la sunna. Ensuite, l'ijma. L'ijma, l'ijtihad, c'est l'ijtihad, il amène l'ijma. L'ijma, c'est un consensus. Et consensus, il est très rare que tous les savants se mettent d'accord sur quelque chose. Très, très rare. OK? Donc, l'ijma, quand on n'a pas de texte, écoutez bien, quand on n'a pas de texte, c'est-à-dire on n'a pas un nas shara'i, donnez-moi un nas shara'i sur le bitcoin. Allez. Il n'y en a pas. Bien sûr qu'il n'y en a pas. Mais il y a plein de choses où il n'y a pas de nas shara'i. Comment on fait? Il n'y a pas de nas shara'i sur des choses, ce qu'on appelle nawazil, des choses nouvelles. OK? Donnez-moi un nas shara'i sur... Enfin, je ne sais pas moi. Il y a plein de choses qu'on appelle ce qu'on appelle nawazil. Nazila, c'est quelque chose de nouveau. OK. On a dit le Coran, sunna, zid. L'ijma', zid. Qiyas. Al-qiyas. C'est quoi al-qiyas? L'analogie. Explique-moi l'analogie. En gros, c'est l'analyse des... De deux événements différents... Deux situations différentes dont on trouve dans la première où il y a un texte, on trouve illatul qiyas. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. D'accord? Pourquoi Allah il a interdit l'alcool? Pourquoi? Parce que ça fait partir la raison. D'accord? Donc, l'ulama qalu, toute chose qui fait partir la raison, elle devient haram.
On peut faire le qiyas comme ça. Qiyas, ok. Bon, après, il y a des règles pour le qiyas. Hein. On ne peut pas faire le qiyas comme ça. Bon, donc nous avons, écoutez bien, Masadir Tishri', il y a deux sources, ce qu'on appelle deux sources scripturaires, deux sources écrites. Scripturaires. Les Huma, Coran, ou Sunna. Deux sources non scripturaires et sur lesquelles il y a un consensus. C'est-à-dire tous les savants sont d'accord. Vous me suivez? C'est lesquels? L'ijma' ou al-qiyas. Consensus et l'analogie. Donnez-moi les autres sources de juridiction. À part ça, il y a quoi? Oui, bien sûr. C'est la différence. Mais en fait, les écoles, ça vient de là. Les gens disent non, moi, la madhabi, je ne suis pas les écoles. Mais tu n'as pas compris, frère. Tu n'as pas compris que les écoles, ils ont une méthodologie d'extraire la règle. Tu n'as pas compris que des fois, sur le même hadith, une école, elle dit ça et l'autre école, elle dit ça. Sur le même hadith. Allez, donnez-moi les autres sources. Et c'est quand on fait les autres sources qu'on comprend la différence de situation. Et je vais vous donner un exemple. Allez, je vous écoute. Les coutumes, les yeux sur coutumes, ça en fait partie, ouais. C'est ça, al-urfu. Al-urfu, mu'tabar. Ok ? Il y a une qaïda dans le fiqh, elle dit al-aada muhakkama ou al-urfu mu'tabar. L'aada, l'habitude fait loi, et les us et coutumes sont considérés dans l'islam. S'ils ne s'opposent pas les shara, quand l'islam il arrive dans un pays, et que le pays, dans un pays, par exemple au Maghreb, la femme elle n'hérite pas, non, al-urfu ghayru mu'tabar huna. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé la part de la femme, quelle que soit la femme, une mère, une épouse, une fille. Il a fixé la part dans le Coran. Donc, l'urfu huna ghayru mu'tabar. Par contre, les us et coutumes des gens, je vous donne un exemple. Un jour, au bled, il y a un frère qui nous fait un cours et qui nous dit « As-sunna, c'est d'enterrer le mort tout de suite. » Et je connais un frère, il dit comme ça. Je connais un frère, son père est mort dans le Maghreb, fait l'Aïcha, il a été enterré. Ok, pas de problème. Il fait un cours comme ça. Après le cours, on a discuté. Je dis, frère, tu en fais quoi des yeux sur coutume? Tu es en train de perturber les gens. Pourquoi? Parce que dans le Maghreb, on enterre le matin. On enterre dans la journée. On n'enterre pas la nuit. Tu es en train de leur perturber la tête. Ça, c'est une coutume, effectivement. Dans le Machalir, oui, ils le font. Ok. Mais dans le Maghreb, ils ne le font pas. Ne les perturbe pas. Donc, ils attendent le matin pour enterrer le mort, ils attendent le matin pour enterrer le mort. Il n'y a pas de problème. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ajjilou bimoutakoum » Faites attention, faites vite avec le mort. Ne laissez pas le mort une semaine. Ne l'amenez pas au bled, il reste 15 jours. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Ajjilou bimoutakoum » Et « Kramu dafnuhu » Être généreux avec le mort, c'est l'enterrer. D'accord, ok. Donc, vous voyez, l'urf, le skaf dit le frère, les coutumes, on les prend en charge, on les prend en considération. Bon, là, on a dit, en absence de texte, il n'y a pas de texte sur le Coran. Ok ? Il n'y a pas de texte. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend ces éléments-là. Alors, il y a ce qu'on appelle al-masalih al-mursala. Ça veut dire quoi, al-masalih al-mursala ? Le principe d'intérêt. Le principe d'intérêt général. Il y a des masalih mulghat fil islam. Il y a des intérêts qui sont annulés en islam. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, si moi je vends l'alcool parce que je nourris mes enfants et c'est un produit économiquement viable, c'est-à-dire que je produis de la richesse dans le pays, qu'il y a des taxes pour l'État, non. Fait l'islam al-khamr haram et pour lequel la personne, on regarde aussi l'au-delà. Dans l'au-delà, tu es jugé différemment. Allah subhanahu wa ta'ala yu'aqibuk. Donc al-khamr, non. C'est ça ce qu'on appelle Masalih Mursala. C'est-à-dire, il y a. Comment ? Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala haram al-khamr. Sur ça, on n'en parle plus. Donc, du coup, al-khamr, tu ne peux pas dire. Al-khamr, il y en a 10 qui sont maudits sur al-khamr. Bon, on passe. On n'est pas là à étudier juste le. Comment dire ? Le halal ou le haram sur certaines choses. On est en train d'étudier la règle.
Ok, la règle générale. Comment les gens, comment les ulama, ils extraient la règle. Donc on a dit, il y a nas à travers le Coran et la sunna. Il n'y a pas nas, il y a l'ijtihad des ulama, donc le consensus. Il y a le consensus des ulama, il n'y a pas le consensus, il y a le qiyas. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas nas, il n'y a pas le qiyas, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le maslaha. Je vais vous donner le maslaha. En 2006, à la Mecque, فالرجم الشيطان 12 jour الله سبحانه وتعالى يدي في القرآن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه زيد لمن اتقى كسودر لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليهم تحشرون إليه تحشرون تعجل في يومين العيد c'est le 10e jour tu as fait عرفة le 9e jour le 10e jour c'est العيد le 11e jour tu dois rester à Mina et le 12e jour tu fais rajm et tu peux partir. Tu peux ressortir de Mina et aller à la Mecque, revenir à ton hôtel. Mais il y en a qui restent à Mina encore. Tu peux rester le 13e jour. Donc tu fais rajm à Mina et tu reviens à ta tente. Tu restes le 13e jour, tu fais rajm et après tu pars. Allah il dit, celui qui veut partir le 12e jour, la isma alay. Celui qui veut partir le 13e jour, la isma alay. Mais il a rajouté quoi? L'imani taqa. Ça veut dire quoi l'imani taqa? Si tu pars le 12e jour et tu vas à la Mecque, tu vas à la Mecque pour aller à la Kaaba, pas pour aller à Souk, pour aller au marché, faire le business. Ok? Si tu restes à Mina, l'imani taqa, tu restes à Mina, d'accord. À Mina, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens et tu restes, tu as du temps. Donc ne passe pas ton temps à parler sur les gens. L'imani taqa. Vous comprenez ce que ça veut dire l'imani taqa? Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans un lieu où tu dois te rappeler tout le temps d'Allah. Bon. En 2006, vous savez que Rajm commence après Dohr. On a mis des chaînes comme ça de l'armée et on a pour que les gens ne passent pas avant Dohr. Et les gens étaient là, ils avaient pris leur bagage pour faire un Rajm et partir directement à la Mecque. Parce que quand tu arrives devant la dernière stèle, tu es directement près de l'Azizia, tu arrives à la Mecque. Donc ils ont pris leur bagage, ils étaient là, ils attendaient que l'armée s'enlève pour qu'ils puissent aller faire un rajm. À l'heure dite, l'armée s'enlève. Les gens étaient là et les gens continuent à venir derrière. Continuent à venir. Et quand l'armée s'est enlevée, il y a une bousculade, les gens sont tombés, on leur a marché dessus. 360 morts. Ok, 360 morts. Donc, on est allé voir le ulama, qu'est-ce qu'on fait? Un rajm, c'est entre Dor et le Maghreb. Si tu fais le rajm après le Maghreb, non, ça ne marche pas. Parce que la sunna, c'est ça. Regardez ce que c'est le maslaha. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le ulama? La protection de la vie. Ok? Hifdhun nafs, la protection de la vie, est plus importante que de pratiquer une sunna. Tu vas pratiquer une sunna, tu tues quelqu'un. Non. Tu ne pratiques pas la sunna. Barakallahu fik. C'est ce qu'ils ont dit, l'ulama. L'ulama, ils ont dit, la protection de la vie, elle est plus importante. Donc, on va ouvrir, on fait rajm même ba'd al-maghrib, c'est pas grave. Pourvu que les gens ne meurent pas. Et surtout, les gens qui meurent, c'est des musulmans, c'est des croyants. Qui viennent. Ça ne veut pas dire que les autres vies n'ont pas de sens, hein. C'est pas ça. C'est des mu'mines qui sont venus faire le pèlerinage. C'est quand même... Hein. Donc la vie d'un être humain vaut plus cher que de pratiquer une sunna. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un rajm jusqu'à minuit, jusqu'à sobh. Et à ce jour, vous pouvez faire un rajm jusqu'à minuit, jusqu'à sobh. Qu'est-ce qu'ils ont vu, l'ulama, ici? Ce qu'on appelle al-maslaha. Et quand on ne comprend pas comment l'ulama istanbitoun, comment ils sortent la règle juridique, on ne comprend pas, les frères. Donc on a dit le Coran, le Sunna, l'Ijma, le Qiyas, ok. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le Maslaha, Masalih al-Mursala, on a l'Istihsan, on a Amal Ahl al-Madina, on a Ra'yu al-Sahabi. Ça veut dire quoi Amal Ahl al-Madina? Amal Ahl al-Madina, c'est une exclusivité de l'Imam Malik. C'est une exclusivité chez le Malikiya. Ça veut dire quoi? L'Imam Malik, il vivait à Médine.
Il regardait comment les gens de Médine se comportaient. Il considérait que le comportement des gens de Médine, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est quelque chose de plus fort qu'un hadith ahad. Ça veut dire quoi, hadith ahad? Ça veut dire quoi, hadith ahad? Très bien. Un par un, par un, par un, par un, jusqu'à ce qu'on arrive chez le prophète. Et le hadith al-ahad, c'est celui qui se subdivise en sahih, en hassan et en daif. Ce n'est pas un hadith mutawatir. Hadith mutawatir, c'est 200 personnes qui l'ont raconté sur 200 sur 200. Donc pour l'imam Malik, on lui ramène un hadith ahad. Et à Médine, on fait autre chose. On considère ce qui se fait à Médine. Et la différence entre l'imam Malik et l'imam Ahmed sur le fait de faire deux raka'at quand l'imam est sur le mimbar, elle vient de là. L'imam Ahmed, il lui dit, nous avons un hadith. Salik al-Ghatafani. L'imam Malik, il lui dit, à Médine, on ne le faisait pas. Et Salik al-Ghatafani, quand le prophète lui dit, lève-toi et fais deux raka'at, c'est un hadith khas. C'est ce que disent les Malikis. Ils disent, c'est spécifique à cette personne. D'où la divergence. Il y a une école qui te dit, nous avons un hadith, donc nous allons l'appliquer. Et notre école, il te dit, à Médine, les compagnons qui étaient 900 000 ne faisaient pas ça. Donc pour nous, si les compagnons ne le faisaient pas, c'est plus fort que si tu me ramènes juste un hadith. Vous suivez le raisonnement? La différence et la divergence entre les savants viennent de là, dans l'interprétation du texte. Et quand vous comprenez d'où chaque école, elle tire son raisonnement, comment elle est la méthodologie de chaque école pour tirer le raisonnement et pour extraire la règle, vous comprenez les divergences. Vous comprenez les divergences. Et si vous vous baladez dans les pays musulmans, vous allez voir qu'il y a une grande divergence entre les pays musulmans. Je vous donne un dernier exemple. L'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, rahimahullah. L'imam Shafi'i, il a vécu à peine 50 ans. Vous savez où il est né, l'imam Shafi'i? En Palestine. Où en Palestine? À Gaza, oui. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, il est né à Gaza. À 16 ans, 14-15 ans, il était à la Mecque. Il faisait tawaf. Alors regardez, l'imam Shafi'i, il connaissait le Coran par cœur. Il connaissait Sha'r. Il connaissait beaucoup la poésie. Il aimait beaucoup la poésie. C'était un mathématicien né. Vous lui donnez un exemple d'héritage, il vous sort les calculs comme ça. L'imam Shafi'i dit, je faisais tawaf et je lisais Sha'r, je lisais de la poésie. Hajib al-Kaaba, ceux qui gardent la Kaaba, qui poussent les gens, ils disent, maintenant c'est Waqt Salat. Vous voyez, maintenant il y a l'armée. Mais à l'époque, c'était des gens... Et lui donne un coup sur le cou comme ça, et il dit, tu es devant le Kaaba et tu lis Sha'r, lis le Coran. Il a dit, il m'a secoué quand il a dit ça. Et depuis ce jour-là, il a quitté la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Médine. Quand il va à Médine, et à Médine, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Quelqu'un qui était Shahir, qui était Mouchtar, qui était devenu célèbre. Et il y avait 500 personnes qui assistaient à son cours. C'était Alim al-Hadith, le premier qui a écrit un livre sur le Hadith, l'imam Malik. Et l'imam Malik, il posait des questions à ses élèves. Et le seul qui répondait, c'était ce gars-là, qui avait 15 ans à peu près. Il repose une deuxième, une troisième, une quatrième. À la fin, l'imam Malik lui dit, toi, tu ne quittes pas l'assise. À la fin, tu viens me voir. Il va le voir. L'imam Malik, il va le prendre sous son égide parce qu'il avait compris que c'était quelqu'un de très fort. Et l'imam Shafi'i, c'est un élève de l'imam Malik. Mais quand il a grandi en science, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit l'imam Malik sur plein de choses. Par exemple, il y a une source qui s'appelle l'Istihsan. Et on va y arriver, Inch'Allah. C'est quoi l'istihsan? C'est de considérer que quelque chose est bien ou pas. L'imam Malik, il considère l'istihsan. Par exemple, ça c'est bien et ça c'est pas bien. L'imam Shafi'i, il dit non. Man istihsana faqad shara'a. Si tu istihsines, c'est-à-dire tu vois le sens du bien et du mal, tu vas utiliser ta raison. Or, des fois, on ne comprend pas la raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit par exemple quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi. Donc tu ne peux pas te mettre à la place de l'mouchari, à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tient un autre raisonnement. Et beaucoup de savants vous disent que al-madhhab al-shafi'i, c'est l'école malikite travaillée. Al-shafi'i, il va s'installer au Yémen. Écoutez bien. On est en plein Dawla Abbasiyya. On est à l'époque de Haroun al-Rashid.
les Abbasides, à l'époque de Harun al-Rachid. Il s'installe au Yémen. Et au Yémen, on va l'accuser de tachayur. On va dire qu'il est devenu chiite. On va l'amener à Bagdad, Mukabbel, c'est-à-dire avec les chaînes. On va l'amener du Yémen jusqu'à Bagdad. Et devant, à Bagdad, devant le calife, il voit des gens se faire guillotiner, se couper la tête devant lui. Et il a une explication avec Harun al-Rachid. Il arrive à convaincre Harun al-Rashid. Comme quoi, il n'était pas mutashayya. Et Harun al-Rachid lui offre l'asile. Il va rester à Bagdad. Il va rester en Irak. Il va rester un temps en Irak. Et pendant qu'il est resté en Irak, c'était un grand savant. Donc les gens venaient le voir. Il donnait des avis juridiques. L'imam Shafi'i, écoutez bien. À un moment donné, il quitte l'Irak. Il va où ? Il va en Égypte. Si vous allez aujourd'hui en Égypte, ils ont deux madhab, ils ont deux écoles. Fassaïd, c'est l'école malikite. Dans les autres endroits, c'est l'école Shafi'ite. Par exemple, vous faites Nafila. Et moi, je rentre, je n'ai pas fait de Dohr. Si vous allez en Égypte, il va se mettre avec vous pour avoir le Jama'a. Ensuite, vous dites salam alaykoum, lui, il se lève, il continue son dos. Les Shafi'ites, ils font ça. L'imam Malik, il te dit chez nous, non. Pourquoi ? Khtilaf ou niya entre l'imam et le ma'moum, non. Je ne peux pas, moi, faire une salat et toi, tu fais une autre salat. Non, ce n'est pas possible. Même si nous avons hadith mu'adith, mais on va expliquer tout ça, inshallah. Donc, l'imam Shafi'i, quand il parle de lui-même, il dit l'imam Shafi'i al-Qadim ou l'imam Shafi'i al-Jadid. L'imam Shafi'i al-Qadim, c'est l'ancien Shafi'i. Al-Jadid, c'est le nouveau. C'est quoi al-Qadim ? C'est celui qui était en Irak. C'est quoi al-Jadid ? C'est celui qui est en Égypte. Et il a changé, allez, presque tous ses fatwas qui étaient, tous ses fatwas qui étaient en Égypte, qu'il a dit en Égypte. Pourquoi d'après vous ? Qu'est-ce qui a changé ? Barakallahu fik. Le contexte a changé. On est devant des musulmans, mais des musulmans qui n'habitent pas au même endroit. La dernière chose, l'imam Malik, on est venu le voir à Médine, quelqu'un est venu d'Andalousie. Vous savez que l'Andalousie, elle s'est établie à partir des Omeyyades. Okay? L'imam Malik était à l'époque des Abbasides. On vient lui poser la question. Le gars, il vient avec 40 questions. Vous connaissez l'histoire ? Il vient avec 40 questions. Combien il répond ? À 4. Okay. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Le gars lui dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens ? Il dit, dis-leur, imam Malik l'a aidé. Tu leur dis, Malik, il ne sait pas. Il est au problème. Je ne sais pas. Il n'y a que Allah qui sait. Alors, regardez ce que disent les ulama. Les imams Malik, ils connaissaient la réponse. Mais pourquoi il ne lui a pas donné ? Barakallahu fik. Parce qu'il ne connaissait pas le contexte de l'Andalousie. Donc, ne cherche pas une fatwa là-bas, frère, pour nous qui vivons ici. Et nous, quand on était là-bas, quand on était à Médine, qu'il y a des pèlerins qui venaient, qui posaient une question. L'alim al-fadh, l'alim. Il lui dit, tu viens d'où, frère ? Il dit, je viens de Tunisie. Il dit, vous avez des savants en Tunisie, va leur demander. Ne lui répondez pas. Ne lui répondez pas. Pourquoi ? Parce que le contexte ici, le contexte là-bas n'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Et je vous donnerai des exemples la prochaine fois, Inch'Allah. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, je vous dis. OK ? Bon, si vous voyez une femme conduire ici, ça vous choque ? Ça ne vous choque pas. Si vous voyez une femme conduire en Arabie Saoudite, et l'islam, il interdit ça ? Non. D'accord. On a parlé avec un juge en Arabie Saoudite. Comment vous faites ça ? Kalak, non, c'est pas nous. Kalak, c'est les chefs de tribu qui ont dit, quand les ulama, ils ont dit, la femme, elle peut conduire une voiture, ils ont dit, vous changez cette fatwa. Le contexte n'est pas le même. Les us et coutumes ne sont pas les mêmes. La culture n'est pas la même. Comprenez ? OK. On parlera de tout ça, Inch'Allah. Dans les prochains cours, bi'idhnillah. Ta'rif al-Qur'an, quelqu'un peut me citer ce que c'est le Qur'an ? C'est quoi le Qur'an ? On est en retard, hein ? Ouais. C'est quoi la définition du Coran ? La parole révélée d'Allah, vas-y. Transmis à Mohammed, ça. C'est tout ? En langue arabe, très bien, Zid. C'est tout ? Alors écoutez bien les frères, écoutez bien. Nous, les musulmans, qui ne savons pas définir le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Écoutez bien. La parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'archange Djibril, pendant 23 ans, en langue arabe,
qui porte l'insupérabilité. Mahalul i'jaz. OK? En langue arabe. Nazala munajjaman, qui est descendu d'une manière saccadée. On a dit en langue arabe, on l'a dit, hein. OK, nazala ala Muhammad. Zed, qu'est-ce qui est le plus important dans le ta'rif al-Qur'an? Oui. Hein? Barakallahu fik. Non, c'est pas Ramadan. C'est ce que dit le frère. Walladhi yata'abbadu bihi al-muslimun. Et par lesquels les musulmans adorent Dieu. Tu ne peux pas réciter des hadiths fi salat. Par contre, tu dois réciter le Coran. Si tu ne dis pas ça, tu n'as pas donné la définition du Coran. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va s'arrêter sur le Coran spécialement. Et vous allez voir les trésors qu'il y a dans le Coran, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Merci à vous tous. Merci de votre présence. Et j'espère que vous serez aussi nombreux la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, Inch'Allah. Subhanakallahu bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merci à vous. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.